examen officiel ou bien examen d'État, c'est un bagage de grande importance qui pas concerner seulement le ministère de l'Éducation nationale, mais qui concerne tout pays, qui concerne toute société. Donc c'est ça qui fait sous table ça là, où non seulement il y a 4 ministères qui là, mais nous avons tout, un représentant de la police nationale, commissaire gouvernement. Parce que depuis le commencement du mois de juin, nous-mêmes personnellement, nous avons écrit eh bien, ministre de la justice là, directeur général de la police là, eh bien, pour faire examen ça. Parce que nous connaissons sans examen, eh bien, avec tout petit bonheur qui prend la rue à composer, il y a besoin de bon gens sécurité. C'est dans ce sens ça, l'examen a démarré lundi 24 juin 2019 là. Eh bien, on a retiré chapeau nous bien bas pour nous saluer tous les parents pour sacrifice offert pour retirer l'école, aller chercher paix instruction pour capable bien assurer l'avenir. On a salué tout enseignant avec tout chef d'établissement pour tout engagement et détermination. Entre-temps, nous demandons à toute société, notamment les gens qui sont habitués à accompagner les élèves, tant que chauffeur taxi, chauffeur moto, chauffeur camionnette, petit machin, tout le monde qui joue un rôle dans les affaires Timounio, nous disons merci en pile. Et nous disons que l'examen qui a démarré lundi 24 juin, nous avons ouvert la porte pour trois bagailles. Trois portes qui ont ouvert. Pour élèves qui ont composé, sorti 24 pour 26 juin, élèves 9e année, plus passé 2000, et bien 200 000, et bien Timounio, c'est même porte secondaire qui ont ouvert pour eux. Nous gagnons tout, sorti 24 pour 28 juin. Nous avons CEF, Centre d'éducation familiale, avec École normale institutaire. Il y a même porte emploi pour l'ouvrir pour eux. Et sorti 8 pour 12 juillet, nous avons gagné examen fin d'études secondaires avec bac permanent tout en même temps. Et bien, ça lui-même, nous avons ouvert porte enseignement supérieur pour eux. Donc, ça pour montrer que non seulement les parents avec l'État dépensent un pile d'argent pour Tibounio, fait un pile sacrifice pour Tibounio, mais nous connaissons éducation, ce n'est pas affaire un monde, ce n'est pas affaire un groupe monde, c'est affaire tout pays, c'est affaire tout l'État, c'est affaire toute société. C'est dans ce sens ça, nous avons de tout le monde dans la société, et bien pour gagner un mot pour tout le monde qui va le composer. Et pour finir, avant de passer la parole à la monde qui va le nous détail, technicien ministère, sous question ça, nous avons fait connaître, c'est à travers tout le pays, la police mobilisée, tout commissaire gouvernement à travers 10 départements du pays déjà recevra mémorandum pour agir dans l'occasion d'examen l'État pour être capable de bien dérouler dans la sérénité, dans la paix, pour que nous ne puissions pas sauter. Et dans ce sens, nous avons saisi l'occasion avant de nous finir pour nous souhaiter bon travail, bon succès à tout candidat examen officiel qui a démarré lundi 24 juin 2019. Là. Jeudi, dans la perspective de construction de l'état de droit, il y a un pilier dans l'éducation. Même en état de guerre, quel que soit le pays dans le monde, il permet de passer l'examen parce que c'est l'avenir du pays. Il n'y a pas rien qui justifie qu'on empêche les gens de venir à l'examen. Et je dis nous, message dans les femmes matin, pas que Port-au-Prince, pas jouer ça. Et je rappelle que ce n'est pas même une question de fraude, j'ai dit directeur a dit seulement, peut-être fraude dans la dimension administrative, mais pour pas qu'il y ait chargé infraction qui a fait dans l'organisation examen. Par exemple, nous avons sous base loi 9 mai 2014. Nous avons un bon acte de corruption, parce que chaque jour nous parlons de corruption, nous avons un bon acte de corruption qui a commis dans l'examen. Par exemple, je vais tout lancer un message à tout le monde qui est responsable de santé, le monde qui est superviseur dans l'examen, le monde qui est responsable pour auréoler tout le système, qui a une responsabilité. Je dis que c'est dépositaire dans l'activité publique. Il s'agit des examens d'État. Et comme dépositaire, il y a un fait d'actes de corruption. Donc, si nous croisons un monde dans la période d'examen qui fait favoritisme, ça, c'est un acte de corruption et qui est puni par la loi. Si nous croisons des gens qui font trafic d'influence dans l'examen, si nous croisons des gens qui font abus de fonction, qui utilisent fonction pour profiter, falsifier de fiches,
faciliter moun yo faire fraude dans l'examen, hein? N'a dit même si ministère a parlé de fraude, mais pour nous n'a pas que de Port-au-Prince, il s'agit de corruption, parce que loi sur corruption sont loi générale liée, elle prévoit tout acte ça. Très souvent moun yo pense que les vinn dans l'examen, les a fait fraude, les a facilité ti moun yo frauder, les a falsifié fiche, c'est de simples principes administratifs et volé. Moi dit non, comme commissaire gouvernement m'a rappelé aujourd'hui, hein, yo fait de acte de corruption. M'a reprendre encore. Abus de fonction ou utiliser poste qu'on gagne pour faciliter ti moun tricher, c'est corruption. Ou fait trafic d'influence dans l'examen, hein, parce que gon poste c'est corruption. Et nous-mêmes n'a prendre pour ça. Et la police gagne instruction claire, formelle. Tout le monde est croisé dans la situation ça, pas maintenant tête ou pas seulement puni pour une question de fraude, n'a poursuivi vous pour corruption. Deuxième possibilité, ou font faux fiche, ou falsifions fiche, ou changeons nom sous lit, ou vient prendre place en l'autre monde qui par ou même ou fait usurpation de titre parce que c'est pas ou même qui est doué là. Ou écrit dans la fiche, ça pas doué écrit ou fait faux en écriture publique et la loi a poursuivi vous. Donc nous lançons un signal clair pour moun pa konnen question examen ça quoi le fait dans la, c'est seulement en question de vin surveiller, seulement en question de gade ti moun yo qui ça a fait ti moun yo seulement, pas important. Moi même moun qui responsable examen yo fondamental. Donc disposition que prend par rapport à ça, n'a gagné au moins 3 machines permanence parquet qui sillonner toute zone côté examen en fait, et nous là pour toute cause. Nous pas là seulement pour ti moun k'ap triche, nous là pour moun k'ap vinn tenter pour t'examen ba yo, nous là pour moun ki vinn faire faux fiche pour faciliter l'autre moun vinn composer sous nom l'autre moun. Nous dit de 24 juin examen a commencé, hein, jusqu'à mois d'août côté l'ap fini, hein, paquet a mobilisé dans juridiction pour Port-au-Prince et n'a wè li visible machine permanence paquet yo ap devant tout centre d'examen yo pour ne pas perdre du temps. Koto commet infraction, là n'a met main sou. Et la police gen instruction formelle pour le pas jouer ça, parce que nan dan examen ka gen de acte de corruption. Et chaque jour m'a dit, chaque jour n'a insisté sur la répression de la corruption. Moi dit examen tout gen de actes de prévention de la corruption. Donc nous prévenir tout monde qui vient dans examen qu'on pas venir faire fraude, c'est pas un simple délit ou a fait corruption, ou a fait faux en écriture publique, et la loi punit bagay sa yo sévèrement.